De retour en Normandie, à Saint-Lô, au bowling du centre-ville, le Macao, pour le deuxième match entre les équipes C et D, avec du beau monde, hein, le joueur professionnel américain Matt McNeil, ainsi que des internationaux français et suédois. L'équipe D est dans la troisième frame avec le jeune Suédois Karl Eklund qui vient de remporter plusieurs médailles lors des championnats d'Europe à Tilburg, réalise le premier strike de ce match. À la frame numéro 4, l'américaine Paige Nelson en profite pour doubler immédiatement le strike de son coéquipier, ce qui permet à l'équipe de se détacher. Malheureusement pour le Team C, l'anglaise Sarah Wood fait un trou à la frame 5, laissant un boulevard au capitaine de l'équipe adverse Matt McNeil, qui apporte le troisième strike de l'équipe. Le capitaine norvégien Alvar Hagen-Nielsen termine par un très beau strike, mais cela ne suffira pas pour gagner ce premier match, promis à l'équipe D. Le jeune membre de l'équipe de France, Quentin Deroux, parachève la partie avec un spare puis un strike. Score final 192 à 159. Pour ce deuxième match, les deux équipes ont changé de piste et l'anglaise Sarah Wood attaque d'entrée avec un superbe strike. Sur la frame numéro 2, le gaucher Matt McNeil relance son équipe avec un strike plein d'autorité. Alors que le capitaine norvégien Alvar Hagen-Nielsen a la possibilité de doubler, il laisse malheureusement la quille 10, mais reste sérieux au spare en la convertissant. Karl Eklund double le strike de son capitaine Matt McNeil avec une airball sensationnelle. Manon Grand-Cyr, membre de l'équipe de France, a la possibilité de tripler, ce qu'elle ne manque pas de faire et qui permet à son équipe de se détacher. Le capitaine Matt McNeil est sur un quintuplé pour son équipe, une occasion qu'il ne rate pas de saisir et le Team D s'envole. Avec 32 quilles de déficit, le Français Fabien Higoninck ne parvient pas à faire le doublé. Pire encore, il laisse un split qui ruine tous les espoirs de son équipe. À la frame 8, le monsieur fair play de ces deux dernières années, Serge Braga, sauve l'honneur de son team avec un très beau strike. Sur la dernière frame, l'américain Matt McNeil reste très mobilisé. Il termine à 246, l'équipe D part en finale. Éliminé mais positif, le capitaine norvégien termine en apothéose avec un strike pleine poche. Score final de la deuxième manche, 246 à 185.